Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Bœuf social sur JMTV+. Le Bœuf social va ce soir se pencher sur le cas de quelqu'un que vous connaissez au Cameroun et même au-delà. On l'appelle Shakiro, de son vrai nom Loïc Midrel Djekam, transgenre camerounais qui est en ce moment en détention depuis le 10 février 2021 à la prison centrale de Nouvelle. Il lui est reproché. Je vais vous lire ce qui lui reproche. Il est poursuivi depuis le 10 février, donc je vous l'ai dit, pour des délits d'homosexualité, d'attentat à la pudeur en privé et d'absence de carte nationale d'identité dans un pays où on sait qu'il faut aujourd'hui marchander, acheter sa carte d'identité comme son passeport. Nous venons de publier plusieurs émissions là-dessus avec Alain Belaté. Nous aimerions bien comprendre comment on peut interpeller quelqu'un pour des fautes d'identité dans un pays dans lequel on n'en fournit même déjà pas. Pour en parler ce soir, c'est lui qui m'a contacté et m'a proposé ce sujet, Timba Bema, qui est poète, écrivain et qui vit en Suisse. Bonsoir, Timba. Bonsoir Jackie, je te remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Ben, je t'en prie, lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, JMTV Plus se range toujours du côté de l'homme. Et non, de celui qui ne veut pas donner des droits à l'homme. Alors, Timba, je vais te laisser nous expliquer avec tes mots de quoi il s'agit. Oui. Donc, il faut en fait comprendre que le cas de Shakiro, c'est le cas d'un individu libre et d'un individu, disons, qui est transgenre, qui n'a pas choisi, qui l'est et qui a envie de vivre de façon harmonieuse, de façon heureuse, de façon simple, sa singularité. Voilà tout le problème. Donc, vous avez quelqu'un qui veut que la société tolère simplement qui elle est. Voilà tout. Son but n'est pas de convaincre ou bien quoi que ce soit, mais c'est de tolérer. Et on a une personne qui a vraiment un parcours de persécution, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, qui a été battue dans la rue, qui a été déshabillée, sans compter, qui est insultée quand elle passe et ainsi de suite, qui a même à un moment été molestée, a été près de la mort. Donc, tout ce parcours-là de persécution, de souffrance, en a fait, moi, ce que j'appelle un martyr. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Shakiro est ce que je pourrais appeler le symbole de notre quête de liberté. Parce que malgré toutes ces souffrances que nous lui faisons endurer pour des raisons mais totalement incompréhensibles, elle continue de rester debout. Et cette personne combative que l'on voit dans les réseaux sociaux, qui ne veut pas lâcher, qui veut tenir. Et je pense que c'est cela qui, moi, est le message fort que Shakiro lance au Cameroun, qui est que nous devons pouvoir vivre dans un pays qui accepte ce que nous sommes, parce que nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Un pays n'est pas là pour détruire les gens pour ce qu'ils sont, mais doit accepter, trouver les moyens, les mécanismes, les institutions qui vont permettre à chacun dans sa singularité de pouvoir exister et d'être heureux. Parce que dès le moment où on s'attaque aux gens pour ce qu'ils sont, donc c'est-à-dire la part d'eux qui n'ont pas choisi, c'est grave. Et voilà en fait la raison pour laquelle je ne pouvais pas moi rester silencieux et accepter le sort tragique qui lui est imposé à l'heure actuelle. Il faut dire, Timba Bema, que on ne choisit pas forcément d'être homosexuel. On est avec des hormones qui nous prédisposent parfois à être homosexuel, hein? Voilà, simplement, c'est une question aussi simple que cela. Et puis, Shakiro l'a dit à plusieurs reprises, elle a dit dans plusieurs de ses lives, parce que c'était quand même, c'est une star, hein, on peut dire ça comme ça, c'est une star camerounaise très connue, mais donc courage, parce que vous savez, souvent, nous avons tendance à voir la star comme quelqu'un qui veut juste se faire voir, mais elle porte un message et elle essaye de démontrer justement, parce que nous sommes dans une société tellement hypocrite sur la question, qui veut en fait réduire les individus au silence, qui veut les réduire à l'anonymat, qui veut finalement tuer en fait la lumière qui brille en eux. Et ce que Shakiro dit, et la raison même pour laquelle je pense elle se met sous la lumière, c'est justement de dire que non, on ne peut pas demander à quelqu'un de vivre comme une souris, c'est-à-dire que de nier, de renier qui il, elle est, c'est impossible. Et c'est véritablement cela.
un message de courage, parce que c'est quelqu'un de très courageux, hein, de très courageuse, qui vraiment a montré à plusieurs reprises une capacité de résilience, mais hors pair. Je ne sais pas si vous, par exemple, après plusieurs bastonnades, après plusieurs humiliations, vous pouvez encore vous lever et puis ben, vous faire belle et puis montrer au monde que malgré toutes ces souffrances que vous m'imposez, je continue à être belle et je vous montre que je veux et je vais rester belle. Je vous montre que je veux, je vais rester souriante. Je vous montre que je veux et je vais rester joyeuse. Vous voyez, c'est quand même fabuleux, quelque part, ce que Shakira nous montre. Je vais le dire ici, beaucoup ne le savent pas. Je n'avais même pas encore 20 ans, mon cher Timbabima, que j'étais chanteur, danseur de slack et de cabaret à Yaoundé, dans nos slacks, le slack bar Michael Madrigal à l'avenue Kennedy, venaient beaucoup de personnalités camerounaises la nuit tombée et étaient très friands de jeunes hommes. Ce sont les mêmes qui sont encore à la tête du Cameroun aujourd'hui et qui tolèrent ou bien qui incitent qu'on mette des transgenres ou des homosexuels en prison alors qu'ils le sont eux-mêmes. On se demande où va-t-on? Où va-t-on? Tu peux le dire aujourd'hui comme ça. Mais c'est cela l'hypocrisie de la société camerounaise. C'est vraiment cela l'hypocrisie. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas accepter cette hypocrisie. C'est-à-dire qu'aucune société ne peut se construire sur l'hypocrisie. Hein? C'est-à-dire qu'aucune société ne peut se construire sur le mensonge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'en permanence, un pays fonctionne sur le mensonge. C'est-à-dire qu'on mente sur je sais pas moi, les résultats d'une élection, qu'on triche sur l'application de la Constitution, qu'on triche sur les lois, qu'on fabrique des lois qui s'imposent à certains mais pas à d'autres. C'est-à-dire que donc qu'on ait un arbitraire total qui s'impose, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous avons des personnes, les LGBT, qui sont des personnes persécutées, qui sont des personnes en danger. Et je pense que c'est cela le message qui est primordial, c'est des personnes en danger. Imaginez par exemple qu'au Cameroun, il y a déjà 4 refuges qui ont été créés, donc qui ont été construits pour les abriter. Parce que imaginez très bien en fait que ça peut être dans les familles qui sont en danger, ça peut être dans leur propre quartier qui sont en danger, ça peut même être dans la rue simplement qui sont où elles sont en danger. Donc c'est cette problématique-là, à mon avis, qui est très primordiale. C'est-à-dire que la société camerounaise arrête d'être hypocrite, qu'elle arrête de se mentir à elle-même, en plus pour des valeurs mais totalement farfelues. C'est-à-dire que quand on nous dit par exemple qu'on cherche à imposer des valeurs de blanc dans notre société, mais ça ne tient pas la route. Le code pénal camerounais qui sanctionne l'homosexualité, ben, il a été conçu par qui? Ben, par les colons, que ce soit allemands ou bien français. Les valeurs des blancs, il fait 40 degrés désormais à Yaoundé, ils sont tous les jours en costume et cravate pour aller au bureau. Ben voilà, donc Les ça ne valeurs des blancs, Ben voilà, donc ça ne tient pas du tout la route. Même la morale que l'on convoque, même la morale, c'est-à-dire que c'est quelle morale qu'on convoque? On convoque une morale judéo-chrétienne ou bien arabe, c'est-à-dire qu'on va convoquer la Bible pour sanctionner quelque chose en nous citant Sodome et Gomorrhe, on va convoquer le Coran. Mais écoutez, le Coran, c'est une fabrication de nos ancêtres? Non. Donc, soyons cohérents. La véritable question, elle est simple, en fait. C'est qu'au moment où, par exemple, la loi sur l'homosexualité était introduite, au Cameroun, mais la population camerounaise n'avait même pas 5 millions d'habitants. Voyez un peu, c'est-à-dire que, et à l'heure actuelle, par exemple, nous sommes déjà à 25 millions d'habitants et nous prévoyons qu'en 2050, nous serons 50 millions. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut en fait dire que l'hypocrisie de la société camerounaise repose en ceci, qu'elle continue de fonctionner selon des valeurs et selon des lois de type colonial qui ne sont plus du tout acceptées. Voilà, quoi, qui ne sont même plus intégrés et puis qui ne sont plus acceptables dans notre contexte pareil. Et ce ne sont pas avec des pareilles lois que nous allons permettre à des individus de s'émanciper et peut-être de faire ce qu'on veut appeler, en fait, donc ce qu'on appelle l'émergence. Il serait déjà bien de créer des emplois dans ce pays-là, de fournir des pièces d'identité aux gens avant de les condamner. Nous venons d'être rejoints par mon jeune confrère Stevie Sam, qui vit en Allemagne. Stevie, lorsque tu écoutes tous ces griefs contre notre jeune sœur ou frère Shakiro, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Tout d'abord, je dis merci déjà pour l'invitation à cet entretien qui est ô combien important pour notre société et la société camerounaise en général. Nous parlons là de quelque chose qui semble être la clé de voûte, hein, pour le futur du Cameroun. On même m'a dit, je ne suis pas politicien, je ne suis pas sociologue, mais il y a quelque chose dont on peut être sûr, c'est que nous tous, nous sommes des humains. Et partant de ça, je crois que la condition fondamentale, c'est déjà de ne pas juger les actions des autres tant que ça leur permet de se définir en tant qu'être humain.
J'écarte de là déjà ce que c'est que la violence, parce que la violence n'épanouit personne. Je vais revenir par rapport à ce que mon frère Timba a dit, c'est fondamental. On est aujourd'hui dans une société qui est extrêmement tournée vers l'Église. Et quand on sait que l'Église, dans la religion en général, prône le ne pas juger l'autre, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton Voisin. frère, de ton prochain, mais occupe-toi plutôt de la poutre qui est dans la tienne. Et c'est exactement la dichotomie à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Je vais faire une petite anecdote. Quand j'étais en classe de cours moyen 1 au Cameroun, c'était à l'école de la gendarmerie nationale, j'ai pour ma première fois vu comment on tue quelqu'un. Et ce sont des choses dont je parle très peu. C'est une image qui, jusqu'à aujourd'hui, me suit dans mon quotidien. À chaque fois quand on parle d'homosexualité, quand je parlais encore avec Maître Alice Combe, j'étais à Hambourg quand elle venait recevoir son prix. Oui, j'étais toujours nostalgique parce que j'avais cette image en tête. Et au Cameroun, le sort qu'on attribue, le sort qu'on inflige aux homosexuels, c'est bizarrement le même sort qu'on inflige aux voleurs. Ils sont lynchés, violentés, brûlés en route. Et c'est cette image-là que j'ai encore dans ma tête en tant qu'enfant, quand je parcours encore les sentiers de l'école. Et ça ne s'est pas arrêté là. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et dans les milieux, dans les sphères de travail, Jackie, tu es un confrère journaliste, tu sais forcément ce qu'on nous propose pour avoir accès à certaines fonctions au Cameroun en tant que journaliste. Voilà. Donc, et envie de finir avec mon école au Cameroun, je me rends compte que des personnes à qui je vouais un certain respect me proposent de passer par les canaux de l'homosexualité pour pouvoir me faire un nom au Cameroun. Et c'est une frustration énorme quand on se rend compte que ceux-là qui ont décidé de prendre leur voie et d'accepter ce qu'ils sont, d'accepter les personnes qu'elles sont, sont aujourd'hui victimisés sur la place publique, détruits sur la place publique. Et pourtant, en arrière, les personnes qui vont généralement les voir, c'est encore ces mêmes individus-là. Donc, il y a un double langage qui est tenu. Et je dis ça pour confirmer les propos tenus par mon cher frère Timba. Donc, c'est une réalité. Et c'est vraiment effarant parce que c'est une question à laquelle pas seulement ce Camerounais, pas seulement nous sur ce plateau devons répondre, mais tous les Camerounais et même la société africaine en général devraient s'y pencher parce que la liberté individuelle, c'est quelque chose d'inaliénable. Et c'est à ce niveau qu'on se situe. Je pense que c'est quelque chose d'inaliénable. Ben, je vais avant de vous poser l'autre question, Thibaut, vous dire que j'ai failli être lynché au Cameroun en début 2006, car portant ce look-ci, je tournais le documentaire Les filières africaines de la prostitution avec mon confrère Olivier Nouveau. Et dans un quartier, quelqu'un m'a dit, voilà, hein, si on te voit encore et si on va te découper avec la machette, et j'ai changé d'hôtel le même soir. Parce que j'avais un look comme ça et Olivier avait des cheveux du wave sur la tête. Nous étions vus comme étant des homosexuels. Je n'ai rien contre les homosexuels. J'ai beaucoup d'amis homosexuels que je respecte et qui me respectent. Je ne l'ai jamais été. Mais si j'étais prédestiné à cela, je n'en aurais pas honte. Voilà, ce sont des humains. Il faut leur foutre la paix. Il y a mieux à faire au Cameroun. Il y a une guerre à stopper dans nos eaux. Il y a Boko Haram à combattre en haut. Il y a de l'eau à boire à donner aux, de l'eau potable à donner aux gens. Il y a l'éducation à faire. Il y a des routes à construire. Trouver rien de mieux à faire que de courir après les gens. Mon cher Timba, nous devons préciser que Shakiro n'est pas seul. Elle est avec son compagnon Moutarde de Laurent, les deux, à la prison centrale de Nivelles. Qui est Moutarde de Laurent? Bon, c'est le compagnon. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup plus de détails en fait sur son nom de famille, par exemple, et puis quel est son parcours. Mais disons que c'est le compagnon, donc quelqu'un en fait qui a des relations proches avec donc Shakiro. Et puis, ben, j'imagine aussi très bien en fait que à l'heure actuelle, sa situation, on va dire, et je pense que c'est même ça aussi qui est très important, c'est de dire en fait qu'elle n'a pas encore eu accès à son avocat, donc ça c'est très important. Pendant la période de l'enquête, elle n'a pas non plus, donc avec la police, elle n'a pas non plus pu avoir l'assistance de son avocat. Ils sont en train de mener donc Maître Alice Combe, Maître Richard Tamfo, Maître Moutet, en train de mener une procédure pour essayer, en fait pour demander une libération immédiate.
voilà, ou bien alors une libération provisoire, parce que bon, voilà, je veux dire, ce ne sont quand même pas des motifs qui doivent nécessiter l'emprisonnement. Et donc, c'est vrai, on est directement là dans un contexte où le juge a plutôt tendance, on va dire, à être très sévère sur ce type de situation-là. Mais laisse-moi peut-être, Jackie, dire encore quelque chose d'important pour signifier pourquoi est-ce que la situation actuelle de Shapiro et généralement des LGBTQIA capitale pour le Cameroun, c'est la raison suivante. Stevie, tout à l'heure, a mentionné en fait le lynchage, et je pense que c'est important pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en effet, il a bien fait ce lien entre le lynchage qui était fait aux homosexuels, par exemple, et le lynchage qui était fait aux voleurs. Mais là, il le limite à un cap, on pourrait dire de mœurs. Mais la question, c'est que ça va plus loin. C'est que la police, par exemple, aussi, pratique les mêmes, donc la même chose, par exemple. C'est-à-dire que la police, vous pouvez, ça peut être pour des raisons politiques ou bien pour des raisons simplement de droit commun, peut utiliser les mêmes pratiques aussi sur les individus. Et ça va même encore plus loin, c'est qu'on voit tous les jours des images qui nous viennent par exemple du nord-ouest, sud-ouest, et où on voit les mêmes pratiques. On a brûlé récemment encore un bébé, voilà, donc qu'on a vu carboniser. Donc il y a en fait une continuité du lynchage. Et si vous allez même dans une connaissance de l'histoire camerounaise, vous allez en fait vous rendre compte que finalement, l'acte préparatoire, là, c'est finalement les plus faibles, en fait, qu'on est en train d'attaquer. Parce que c'est quoi un homosexuel? C'est quoi un transgenre? C'est en fait, ce sont les plus faibles de la société. Et donc, Les c'est comme rejetés, si, en fait. voilà, donc c'est comme si, en fait, les Camerounais s'entraînent quelque part à attaquer les plus faibles pour peut-être après le faire au moment où il y aura par exemple un conflit et ainsi de suite. Et donc c'est pour cela que c'est grave, parce que en fait ce n'est pas simplement une pratique qui on peut dire est marginale, va toucher un groupe ou bien ne se produit qu'à des circonstances particulières. Non, c'est qu'il y a une continuité. On l'observe dans les quartiers jusqu'au théâtre d'opération, donc dans le théâtre d'opération de la guerre civile qui alors était au Cameroun, où on voit encore les mêmes pratiques avoir lieu. Et c'est là où ça doit être un signal, parce que ça veut dire en fait que la moralité des Camerounais est totalement à zéro, parce qu'on ne peut pas infliger de manière sereine un traitement pareil à un autre être humain. Et voilà le signal d'alerte. Donc, l'affaire de Shakiro veut, pour moi, ça signifie que les Camerounais doivent dès à présent comprendre en fait qu'ils sont dans un cycle de violence qui est néfaste. Et qu'une société ne peut pas passer son temps à s'attaquer aux plus faibles. Ce n'est pas possible. Le deuxième aspect, permettez-moi juste d'insister dessus, parce que c'est encore aussi, je pense, capital. C'est que quand on observe en fait les questions de lynchage, on se rend en fait compte de ceci. On se rend compte que c'est très rare, par exemple, qu'une tribu lynche les ressortissants de sa tribu. Par exemple, une tribu A ne va pas lyncher les ressortissants de la même tribu. Elle va, par exemple, lyncher les ressortissants d'une autre tribu. Et ça, c'est une question, à mon avis, qui est tragique et qui est grave. Parce qu'en fait, on assiste, par exemple, on fait un petit recensement des lynchages à Yaoundé, par exemple, depuis 5 ans, on va voir en général que les personnes sont originaires de l'Ouest. Il n'y a pas, par exemple, des personnes originaires du centre ou bien du sud qui sont lynchées à Yaoundé. Je vous fais remarquer qu'Aïssi Oudju est homosexuel et assume cela, mais je n'ai pas entendu qu'il a été lynché au Cameroun ou emprisonné. Voilà. Donc, c'est aussi fondamental. Non, Voilà. on ne touche pas. Voilà. Donc, et ça, on est encore là, donc, confronté à l'une des tares fondamentales de la société camerounaise, qui est le double standard. Donc, ce double standard que tu as mis en évidence au niveau de la carte nationale d'identité, certains l'ont, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, d'autres n'ont pas, et puis ainsi de suite. Et là, même aussi, c'est-à-dire qu'on est dans le double standard. Donc, ce qui fait en fait que tous les arguments moraux, même légaux, qui sont donnés, mais s'effondrent totalement. C'est-à-dire que tu ne peux non plus me dire qu'on est dans l'application de la loi et que la loi, finalement, a les yeux pour cibler tel ou tel ou tel ressortissant de tel endroit. Et que ce sont ces ressources de cet endroit donc, qui vont subir finalement une sainte colère de la société par rapport à une norme qu'elle refuse. Mais je ne sais pas si vous avez compris un peu que si on veut être sérieux, on comprend rapidement que toutes ces accusations-là ne tiennent pas du tout la route, que nous sommes en face d'autres, on va dire, d'autres enjeux qui ne veulent pas dire leur nom, devant une hypocrisie qui ne veut pas du tout s'annoncer, et que la meilleure des choses que les décideurs camerounais doivent faire à l'heure actuelle, c'est de libérer simplement chacun.
Vous verrez demain, j'ai une autre émission, un autre bœuf social qui vous rendra fou. Deux enfants du Cameroun qui ont opté pour de nationalités étrangères sont arrivés au Cameroun par un vol Air France. Il y avait une Bassa qui a obtenu son visa à l'aéroport pour entrer dans le Cameroun. L'autre, parce que Bamileke, a été refoulé et rapatrié. Vous aurez ce témoignage-là dans quelques jours sur JMTV. Voilà. Et donc, c'est ça la question, Allez, Jacques, parce allez. que nous sommes vraiment face à la question des minorités. Et ici, la minorité, ça n'a rien à voir avec le nombre. La minorité, ça a à voir avec le pouvoir. C'est-à-dire que ça a à voir, en fait, finalement, avec la capacité que tel ou tel a à décider de son propre destin. Donc, quand, en fait, vous êtes exclu de la capacité de décider de votre propre destin, on peut vraiment vous ranger dans le cas des minorités. Et donc, le Cameroun, en fait, a ce problème qui est structurel, c'est-à-dire que qui ne sait pas respecter les minorités. Vous Est-ce voyez? qu'on ne Et devrait donc, pas tout simplement dire les gouvernants camerounais, parce que le Cameroun, bon, oui, on peut c'est un dire peu oui, clairement, bénéficié par les clairement. gouvernants, hein, faut le Oui, dire. Hein. on peut dire clairement, parce que la question, par exemple, qui se pose à l'heure actuelle avec les LGBTQI se pose même aussi avec les femmes. Parce que imaginez, par exemple, on a une compatriote, bon, c'est une belle chose, hein, c'est une écrivaine comme moi, Djaïli Amal, qui a été récompensée du Goncourt de Je la cherche depuis, je n'ai pas son contact. Alors, tu me files son numéro, Bon, je vais j'ai envie de la essayer. voir en Voilà, interview. je vais essayer. Il paraît qu'elle est en France à l'heure actuelle. Mais elle a été récompensée lors du Goncourt du cinéma. Mais le thème, ça porte quoi principalement? Ses écrits portent en fait sur les violences faites aux femmes. Un peu plus, quelques temps avant, il y a une autre dame du Nord, dont j'ai oublié le nom, qui a aussi été récompensée du prix Simone Veil, aussi sur cette question des violences faites aux femmes dans le Nord Cameroun, donc des mariages forcés, et puis ainsi de suite. Et imaginez très bien, en fait, qu'il y a des refuges qui se construisent pour abriter les femmes qui sont violentées. Donc, de la même manière qu'on construit au Cameroun des refuges pour abriter les homosexuels, les Homosexuels, on LGBTQ, en voilà. construit pour abriter les On femmes. construit des refuges pour les femmes. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà ce qui se dessine là en filigrane. C'est-à-dire que nous avons en fait une société qui a un vrai problème avec la minorité, qui ne sait pas respecter la minorité. Et donc, c'est ça en fait l'importance capitale de la question de Chakiro. Ce n'est pas du tout une question morale, comme on vient de le voir, parce que si c'est une question morale, on m'aurait par exemple cité nos traditions qui interdisent quoi que ce soit, mais nos traditions, non. Donc voilà, ne se prononce pas du tout De toute sur ce façon, sujet. je me souviens que le chanteur Roméo Dika accusait déjà un éternel ministre camerounais de lui avoir demandé de ramasser la tisse. Personne Voilà. n'a enquêté là-dessus et rien, et ce ministre est toujours en poste. Bon, et on ne va pas s'éterniser car il faut aller à l'essentiel. Aujourd'hui, lorsque tu m'as sollicité, c'est parce que c'était dans un but précis, mon cher Timbaléba. Oui. Quel est le but? Oui, non, le but précis, c'est de dire ceci, c'est de dire en fait donc que face finalement à cet État camerounais qui a des problèmes, un problème structurel de pouvoir négocier, discuter, parler avec les minorités, le cas de Chakiro est symptomatique de cela et que à l'heure actuelle, Chakiro n'a toujours pas vu son avocat. Chakiro, on connaît en prison, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez même pas avoir un environnement décent pour dormir, vous ne pouvez même pas avoir à manger correctement parce qu'on sert vraiment une nourriture mais totalement infecte. Donc, Chakiro a besoin maintenant d'avoir un matelas, d'avoir son mandat, c'est-à-dire que son lit où elle peut dormir et aussi moutarde, un hein, Roland de moutarde. Donc, nous avons lancé en collaboration avec son avocat Richard Tamfou, maître Richard Tamfou, nous avons lancé une collecte de fonds que je te prie, s'il te plaît, de partager aussi. Et j'invite, donc les gens peuvent déposer anonymement, parce que là, nous sommes véritablement devant une question de droit de l'homme. Vous pouvez déposer anonymement. Toutes les contributions sont les bienvenues. Et nous devons quelque part, là, maintenant, montrer que le Cameroun ne se réduit pas à un pays qui détruit sa jeunesse, qui veut simplement vivre son temps. Le Cameroun aussi, c'est la générosité. Le Cameroun, ce sont des individus qui pensent aux plus faibles et qui ne pensent, en fait, qui ne construisent pas, on va dire, leur puissance sur écraser les plus faibles, mais au contraire, qui construisent leur être sur permettre à ce que même le plus faible aussi puisse vivre dans une société où on respecte ne serait-ce que son corps, parce que c'est de cela qu'il s'agit là maintenant. Dignité surtout. Alors, Steve, un petit mot de fin, s'il te plaît. Oui, vraiment avec beaucoup de joie. Déjà, il faut, tu as parlé de la justice et c'est quelque chose de fondamental parce que quand on parle de justice et de faible, il faut forcément qu'on parle du rapport entre le fort et la justice. Il faut que le peuple camerounais comprenne que
Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Parce que nous sommes dans une. On a dit que le fort est celui qui est forcément méchant et le faible est forcément gentil. Non. Cela n'existe que lorsque l'ensemble des populations camerounaises abandonnent leur droit à la revendication. La justice, ce n'est pas pour les forts. La justice, c'est l'instrument des faibles. Ce n'est pas la justice qu'on peut établir un équilibre entre le fort, le trop fort et le faible. Donc, pour que la justice soit faite, il faut déjà que la société camerounaise se rende compte que la justice qui est là, ce qu'on appelle justice, n'est pas une justice. C'est un outil d'écrasement des populations au Cameroun, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan, même sur le plan spirituel, si vous voulez. Je ne vais pas prendre l'exemple des instituts des instituts culturels qui ont été détruits au Cameroun. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de culture au Cameroun, au détriment des instituts à caractère étranger qui viennent faire la promotion des instruments qui ne sont pas forcément ce dont nous avons besoin. Mais à ce moment, la justice camerounaise, entre guillemets, n'interviendra pas. Mais elle interviendra plutôt pour empêcher un Camerounais dont le nombril, dont le cordon ombilical est enterré au Cameroun, de rentrer dans sa mère patrie, ce qui ne revient ni au gouvernement, ni au président, c'est au-dessus de la Constitution. Ou de juge et D'inter... de député, tout simplement, comme c'est le cas pour Chakiro et son compagnon Moutard de Laurent. Tout à fait, tout à fait. Donc vous voyez que l'État, là, ça rouge tous les droits et il n'y a que la population camerounaise pour démontrer par son adhésion au changement massif, à permettre, créer une plateforme qui permettra que le pays puisse penser au moins différemment de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un processus, c'est systémique et cela va prendre du temps, mais il faut déjà que les gens comprennent au Cameroun que la justice, ce n'est pas les autres, la justice, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons et de nous-mêmes y compris, dont chacun met un pied et c'est avec cet ensemble-là qu'on peut concevoir une certaine justice au Cameroun. Voilà, j'espère que Chakiro sera fort. J'espère que son compagnon sera fort. Et je ne vais pas finir sans définir transgenre. Transgenre, c'est une notion très compliquée. Transgenre, c'est comme vous le dites, trans, c'est quand vous êtes entre plusieurs éléments. C'est quand on peut vous classifier dans quelque chose. Tout à Ça veut fait. dire aller au-delà d'un genre. Et il faut comprendre pourquoi les gens vont au-delà d'un genre. On ne naît pas forcément homme en tant qu'homme. On naît. On fera une émission là-dessus, je vous le promets. Ah, super, super. Donc, en attendant que l'émission soit faite, je dis donc merci encore pour l'invitation et merci à toi, Timba, d'avoir été aussi clair par rapport à cette thématique. Merci encore. Simba, dès qu'il sera libre, car je n'ai aucun doute que Shakiro sera libéré, je vois pas, il n'a rien à faire en prison. Tu nous organises une émission pour qu'on parle de ces déboires et surtout de ce que c'est qu'être transgenre ou homosexuel et tout. Il faut qu'on démystifie et qu'on démythifie cette affaire-là. Hein. Les gens l'ont mystifié dans certains pays. Il faut qu'on démystifie cela, que les gens comprennent qu'on ce n'est pas toujours, on fait pas toujours le choix de devenir homosexuel. On est avec des hormones femelles plus Voilà. supérieures aux hormones mâles dans le corps d'un homme et le contraire dans le corps d'une femme. Il faut qu'on Voilà. comprenne. Et aussi, surtout, ce qui est capital, c'est que la société camerounaise doit en fait comprendre les violences, que ce soit des violences réelles ou bien, on va dire, des violences, ne serait-ce que par le langage qu'elle inflige à ces personnes-là. Vous voyez, parce que si vous ne comprenez pas en fait ces violences, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi est-ce que Shakiro était aussi, voilà, attaquait, hein, voulait provoquer, parce que ben, elle subit des coups. Ouais, et puis vous ne pouvez pas passer votre vie à encaisser les coups, encaisser, encaisser, et puis on vous demande ben, restez tranquille, restez calme, tout va aller. Non, au bout d'un moment, quand même, quelqu'un, à force d'avoir encaissé, ben, il est obligé de réagir. Parce que s'il ne réagit pas, ça veut en fait dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, on l'a détruit. Hein? Quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui est détruit, c'est une larve, c'est un mort. Un vrai être humain, devant les attaques, réagit. Et cette réaction peut souvent se faire de manière choquante pour les autres. Mais il faut comprendre que si Shakiro choque, c'est parce que c'est son moyen de pouvoir faire face à tout ce qu'on lui inflige. Et ce qu'on lui inflige, mais est totalement abject. C'est-à-dire qu'aucune société ne peut se satisfaire de tout cela. Donc c'est pour cela que si le Cameroun veut encore montrer qu'il a gardé un simple soupçon d'humanité, lundi matin, Shakiro et Roland doivent être dehors, lundi matin. Parce que vraiment, ce n'est pas de ça dont on a besoin maintenant.
Leur place n'est pas du tout en prison. Leur place est dans la société, qu'ils puissent faire des choses. Imaginez, par exemple, peut-être juste pour terminer par là, parce qu'il y a en fait un cycle de persécution. Par exemple, vous avez des enseignants où on vous soupçonne d'être homosexuel, on vous fait perdre votre travail. Aucun employeur ne peut vous recruter, et puis ainsi de suite. Et après, maintenant, quand les gens n'ont pour seule voie de recours que la prostitution, on va encore leur reprocher de faire la prostitution et puis de vouloir pervertir la société. Mais ce n'est pas eux, ils n'ont pas le choix. C'est la seule opportunité qu'on leur laisse. Donc, c'est pour cela qu'à un moment, la société camerounaise doit comprendre en fait que ben, elle ne peut pas dénoncer des choses qu'elle fabrique elle-même. Vous ne pouvez pas exclure des gens. Et puis après, leur reprocher d'être exclus. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si, par exemple, nous sommes ici en Europe, on vous exclut pour des raisons de racisme, et puis on vous dit, mais pourquoi vous vous excluez? Mais non, tu m'exclus, c'est la raison pour laquelle je suis exclu. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc Shakiro n'a pas sa place en prison. C'est libération immédiate dès lundi. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'honneur pour le Cameroun. Sa place n'est pas en prison. Jamais. Mon cher Shakiro, compagnon, moteur de Delorange, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère vous retrouver libre d'ici quelques heures. Je vous attends sujet un petit peu plus dans le prochain Bœuf social pour qu'on évoque la question de l'homosexualité, de l'hypocrisie et des violences faites aux personnes au Cameroun. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a édifié. Soyez solidaires. Le plus important au Cameroun n'est pas de lyncher les gens, mais de construire ce pays-là. On se retrouve donc sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation compliquée, ça et là, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye.